On a de l'eau, calme-toi, on a de l'eau. À chaque fois, hein, chaque fois, début de vidéo, elle pète un câble. Alors, pourquoi je boirais pas mon urine? Pourquoi je mangerais pas de la neige? L'écorce des arbres, c'est bon. Alors, bienvenue à tout le monde. Nous sommes partis... presque le matin, ok, ça marche. Enfin, on est le matin, presque jour, c'est ce que je veux dire. Donc, on est toujours sur cette map, cette maudite map. La dernière fois on a tué un élan, on a récupéré un peu de viande, on a récupéré la peau qui est juste là, voilà, elle est là, très bien. On n'a pas Bobby ici pour nous tenir compagnie à ces bêtes, donc on doit aller là, vu de la vallée de la rivière calme. J'étais en train de me dire, on devrait faire ça sur toutes les maps. On devrait faire ça sur toutes les maps. Ça va être notre but. Il y en a 11 à trouver. Autant toutes les faire. Ouais, c'est une bonne idée. Je viens juste d'y penser maintenant. Ouais. Il y en a 11 à trouver. Autant toutes les faire. On va devoir revenir à des endroits qu'on connaît. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, bref. La dernière fois, on a trouvé une grotte ici. On s'est un peu baladé. On a trouvé un cadavre gelé. Le cadavre, honnêtement, pour moi, il était dans cette direction-là. Mais en fait, apparemment, il était dans la direction de notre grotte. Donc, c'est pas le bon endroit. Après, on a fait le tour. Donc, on est allé vers là et là. Donc, c'est pas encore le bon endroit. Donc, après, apparemment, on aurait peut-être un ici. Mais c'est en contrebas, ça. Donc, je sais pas trop comment y accéder. Alors, je sais pas... Parce que là, en fait... C'est ça que la carte ne nous le dit pas. Mais là, normalement, il y a une sorte de bordure, en fait. Genre là, c'est en hauteur. Et là, ça descend. Là, c'est plus bas. Donc, on ne peut pas directement sauter. Alors, j'ai l'impression que ce chemin qu'on prend là, où c'est qu'il y a les champignons. Bon, j'ai pas dessiné les champignons parce qu'on n'a pas dessiné ici. Mais il y a les champignons et tout ça. Ça monte, ça monte. Et on arrive directement à la grotte. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est pas vraiment le chemin à prendre, je crois. Donc on va essayer de prendre le chemin par la forêt. Quand on sort de la grotte, c'est directement sur notre gauche. Où il y a plein d'arbres. Oui, parce que c'est une forêt. Et on va voir si ça monte. Mais je pense pas que ça soit aussi haut que ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai en tête pour le moment. Donc on va tester ça. Est-ce qu'on va y aller maintenant? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'on va y aller avec tout notre équipement et partir? C'est ça que je voulais dire. Je pense pas, parce que je ne sais pas encore... je connais pas encore vraiment le terrain, je sais pas si on va pouvoir trouver un endroit pour se reposer et tout ça. Donc ici, ça va rester quand même notre camp. Donc on va pas prendre par exemple la peau d'élan, parce que la peau d'élan c'est 5 kg et tout ça. Donc on va pas prendre ça. On va prendre un steak en plus si jamais on doit... on doit manger. On a d'autres steaks. Non, on a plus d'autres steaks. Ouais. On a que deux là à cuire. Voilà, très bien. Après, là on a des pots et tout ça. On a du bois. Là on a le sac de couchage. On va le prendre. Mais la peau elle va rester là pour le moment. Voilà. On a notre faitout. On va le prendre. Donc c'est ce qu'on va faire. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose. 36 kilos. Ça va faire 3 kilos en plus. On va avoir un peu le temps. Je vais pas extrêmement froid. On va lire une heure. On va lire une heure parce qu'il fait assez jour de toute façon. Donc pourquoi pas. On a bientôt fini le livre par contre. Ok, très bien. Donc on va y aller. Même s'il fait froid, on y va quand même. Bon, j'espère vraiment qu'il va pas faire froid, mais... Voilà, 39 kilos. On a encore deux... Oh, il y a du vent. On est en plein devant le vent. Ah, non. On va attendre encore une heure. Parce que là, d'ici jusqu'à là-bas, la forêt, avec le vent en pleine face, non merci. Non, alors non, non merci.
J'ai vraiment pas envie. Est-ce qu'on peut faire un feu par contre? Non. non, 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 non. Ça, non. Ça, non, merci. J'ai vraiment pas envie de le faire. Je préfère encore attendre. Parce que moi j'ai un peu mal à la gorge ce soir. Donc, un peu la gorge rocailleuse. J'ai mangé racaillou. Mal passé. Ok. Alors dis-moi qu'il n'y a plus de vent. Ou alors qu'il a tourné. Non. Non, ça va être trop chiant. On va faire du feu. On va faire un feu. On va faire un feu pour faire cuire cette viande. Ah, ça m'embête, hein. Ça m'embête. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est pas vraiment le problème du vent et genre du froid, c'est pas vraiment ça. Mais le problème c'est qu'on va avancer lentement. Le temps qu'on avance, on aura perdu toute notre, chaleur. Et après on va devoir se bouger dans la forêt et se dépêcher et tout ça. Donc non, c'est pourri. On va pas faire ça. On va vraiment pas faire ça. Ok, très bien. On a encore 13 minutes. Je voudrais bien faire de l'eau, mais je veux garder le... Un truc qu'on peut faire, c'est ça. À 6 minutes, très bien. On va manger ça. On va attendre que ça cuise, que ça soit chaud, et avec de la chance, il y aura plus de... Il y aura plus de vent. C'est vraiment que ça nous repousse, en fait, c'est vraiment ça le problème. Y a pas autre chose. Vraiment très embêtant. Ok, là c'est bien. Ok, ok, là on peut avancer. Alors on aurait pu même prendre une torche, mais pas vraiment. Pas vraiment besoin. On est à 38 kilos, ça va très bien. Donc, nous c'était le chemin avec. Ça, c'est, on va l'appeler ça le chemin des champignons. On se retrouve tout là-haut, tout ici. Donc on va essayer de passer par là cette fois. Et voir ce qu'il y a. Voir ce qu'il y a. Il faut que j'utilise un peu plus les champignons, honnêtement, parce qu'on en a des tonnes de réserves. Et c'est vrai que je le fais pas. C'est un peu une erreur de ma part. Enfin, c'est en fait, c'est le côté, ouais, je veux économiser le maximum et tout ça. Non, ça va. Je veux économiser. Bien, un élan. Un cerf. Un cerf qui est bloqué là-haut. Ouais. Donc c'est un peu le côté où je veux économiser et tout. Donc c'est pas bon. Bon, en théorie c'est dans la bonne direction. Donc nous on est arrivé au-dessus de ça. On est allé là? Marble bleu. Ah non, ça y est, ça commence. Le vent. On est venu là?
Il y a un loup mort. Non, on n'est pas venu là. Un 4. Vue du songe. On est juste à côté. C'est plus vers là en fait. Il y a une corde. Ça l'a marqué sur la map, la corde? Oui, ça l'a marqué. Donc ça. Donc la corde est là, donc c'est là-bas. J'essaye de me protéger du vent. Il y a une grotte. Yes, c'est une grotte. Il y a rien dedans. C'est quoi ça? Pansement, du bois. Très bien. Très bien. On va faire ça aussi. On va marquer l'allumage de feu. Ok, ça a pas marqué la grotte, c'est bien. Ça a pas marqué la grotte. Bon, on se réchauffe un peu. Ok, on est juste à côté. Oula, c'est bien blanc à l'extérieur. Me dis pas qu'il y a une tempête. Me dis pas qu'il y a une tempête. Waouh, t'es sans déconner. Je veux juste voir un peu. J'entends des bruits. Ah, c'est là. Ok, 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 ok. On rentre. Attends, elle est où ma grotte? Ok. Ouf. 10 degrés, ça va. Bon, bah c'est bon, on a trouvé l'endroit, donc on attend que la... Que ça passe, on attend que ça passe, et... Après on rentre, donc nous on va être là... Donc faut qu'on retourne là-bas. Bon, le chemin est pas très compliqué, honnêtement. Il y a des grottes de partout. À la limite, ce que je pense de cette zone, elle est pas extrêmement dure. C'est qu'il y a beaucoup, en fait, d'animaux et vous vous retrouvez souvent... En fait, je pense que le pire dans cette map, c'est pas les animaux. C'est le fait que ça monte, ça descend, en fait. Il n'y a pas vraiment de terrain plat. Donc on a peu de visibilité quand on bouge. Et ça, je crois que c'est le problème de cette map. Enfin, non, c'est pas le problème, c'est le... Le côté dangereux de la map, c'est qu'on ne voit pas en fait devant. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'est fait choper par un loup par exemple. C'est vraiment ça. Donc elle est intéressante en tout cas.
Elle est intéressante. Je sais pas trop quoi faire. On va dormir peut-être. Yeah, arme à feu, fusil, 3. Arme à feu, fusil. Alors, portée précision plus 20%, champ de crédit 15%, est à 3 par réparation. Cool. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah mais j'ai rien à faire en fait. On va dormir. On va dormir. Ça nous fera. Ah ok. J'étais dans la mauvaise. Dans la mauvaise catégorie, c'est pour ça. Restons calmes. C'est bien ce que je pensais. On va dormir. Pourquoi on dort à chaque fois comme ça? C'est pour faire passer le temps déjà. Mais le truc c'est qu'on consomme moins de calories en dormant qu'en restant à rien faire. Ça c'est un peu le problème. Genre si on fait ça, ça a calories brûlées 75 une heure. Mais si on attend une heure, c'est 125. Donc voilà. C'est pour ça qu'on dort quand on peut. Et dans un sens, ça pousse un peu à dormir. Quand vous pouvez, bien sûr. Mais surtout que c'est que ça pousse, ça va utiliser le sac de couchage et tout ça. Ah, il fait pas froid du tout. Très bien. Donc ça doit être là, c'est ça? Ouais, c'est là. Donc c'est quoi la vue qu'il a eue, le mec? C'est ça, en fait. Ah, il a même vu un arc-en-ciel. C'est vrai, en plus. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est joli, ça. L'arc-en-ciel est juste devant. Par contre, je me suis enlevé de l'endroit, apparemment. On va se remettre là. Voilà. C'est pas mal, hein. Avec la petite musique. Et on se casse. Est-ce qu'on se réchauffe? Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas. On va faire ça. On va se ravitailler. Et après on part. Ok, let's go. Mission accomplie. Non, on va pas prendre du steak, ça sert à rien, on a l'élan qui est sur la glace. Mission accomplie, on peut partir de cet endroit. On peut partir, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Après, je suis sûr qu'on n'a pas tout récupéré, hein. Je suis sûr qu'il y a encore... des bois, des trucs comme ça... Mais on va pas le faire, enfin ça on en a assez, on en a déjà plein de côté. Donc ça sert un peu à rien. Le problème c'est que si on veut vraiment faire toutes les flèches qu'on a, parce qu'avec les bois à chaque fois, genre on en a, je sais pas, 10 qui traînent, ça fait déjà 30 fûts de flèches.
Donc 30 flèches, et on veut vraiment faire les flèches, et il va falloir récupérer, aller à la forge et forger des têtes de flèches. Donc ça sert un peu à rien. On va aller se réchauffer. Et après, on va aller récupérer de la viande en plus. On va passer la nuit là. Et on va partir. Et on va partir. Pendant la nuit, on va peaufiner un peu notre plan d'échappatoire. Par où passer en fait. Parce qu'il faut qu'on récupère le matériel qu'on a laissé dans les autres grottes. Et après, on se casse quand on a tout. On va faire un peu d'eau. Il fait pas assez beau pour... Pour moi, il fait assez beau. Hein. Je veux pas dire. Mais... Okay, là, on est à l'extérieur. Yeah, ok. Donc ouais, on peut... Quand on est à l'intérieur, à l'arrière en fait de la grotte, on est considéré en intérieur, le soleil ne rentre pas. Mais là on est considéré comme à l'extérieur. C'est pour ça que le feu de camp en fait est de ce côté là et pas en plein arrière de la grotte. Ça explique en fait. On va faire ça, prendre torche. Voilà, très bien. Très très bien. Après on pourrait garder un feu à l'avant, mais moi je préfère être au chaud. C'est beaucoup plus logique d'être au chaud quand même. Je peux pas dire, mais... Voilà, très bien. On n'a pas besoin de beaucoup de bâtons hein, pour faire du feu qui dure longtemps. C'est abusé quand même. C'est bien abusé. Donc 2 heures. On va faire ça. J'aurais dû déposer le sac de couchage. Il y a du vent. J'aurais dû déposer le sac de couchage. On se réchauffe. C'est vu qu'on va dormir ici. On fait de l'eau, on fait ça. On est réchauffé. 33 kilos, ça va. Les boyaux, on s'en fiche. On s'en fiche. On va aller chercher encore un peu de viande.
Il n'y a pas grand chose à faire d'autre en fait. Parce que si on prend... si on prend les boyaux, ça sert à rien. Parce que de toute façon, les transporter, c'est dangereux. Vu qu'il faut les faire sécher. C'est pas froid du tout. Hein. Ça serait un très très bon temps pour partir. Mais bon. Je sors toujours l'arc quand je dépasse. Si jamais il y a un loup ou un truc comme ça qui vient vers nous. Juste au cas où. Ok. J'arrive pas à prendre. Voilà. Là, on y retourne. On a assez de viande, hein, mais c'est juste pour... Bah en fait, ça sert à rien, parce qu'on va la laisser et puis on la mangera jamais, je pense. Mais on va en manger une bonne partie. Y a pas des plumes qui traînent. Parce qu'on va être lourd. On va être lourd, donc du coup on va pas pouvoir transporter autant de viande. C'est ça le problème. Donc on fait de l'eau, on fait de la viande. Et c'est juste au cas où on peut pas sortir genre demain par exemple. Mais on pourra y rester pendant un moment encore, à cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins on a des réserves. Si on est bloqué là pendant 3 jours par exemple, bah on risque rien quoi. On peut tout simplement rester à camper ici sans problème. C'est ça en fait que j'ai en tête. C'est juste la peur d'être bloqué par le temps. Ah, très très bien. On va voir encore pour un steak. Ça fait nuit. Dans des zones comme ça, il faudrait avoir un kit, on va dire un inventaire plutôt. Un inventaire peut-être un peu plus réduit. Parce que genre pied de biche et tout ça, ça ne sert à rien du coup. Ça nous sert strictement à rien. Donc quand on connaît qu'il y a, quand on sait qu'il y a des zones où il n'y a pas de voiture, pas de trou de pêche, pas de de casier, de choses comme ça, on pourrait peut-être ne pas prendre juste ne pas prendre de pied de biche. Ça nous ferait un kilo en moins. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut un peu améliorer. Peut-être. Mais bon, moi j'aime être préparé à tout en fait. Donc c'est pour ça que je prends les outils. Genre par exemple la scie. La scie à métaux. En général, la scie à métaux, on n'en a pas besoin. Sauf que la scie à métaux est très bien quand vous avez des carcasses qui sont complètement gelées. Parce que la scie à métaux est facile à réparer. Il faut juste des caisses et des morceaux de métal. C'est beaucoup plus commun que genre des pierres à aiguiser par exemple.
Et ça évite d'utiliser le couteau. C'est presque aussi bien que le couteau, comme je l'ai dit plusieurs fois. Genre la main c'est 15 minutes, là le couteau c'est 6 minutes, c'est le mieux. 10 avec la hache, et après la scie c'est 8. Donc c'est mieux que la scie. Oh waouh, le temps, ça j'aime pas ce temps là par contre. C'est mieux que la hache, c'est moins bien que le couteau, c'est entre les deux. Mais c'est beaucoup plus simple de réparer la scie que de trouver des pierres à aiguiser pour aiguiser la hache et aiguiser le couteau. C'est pour ça. Quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? J'ai dû rêver. Ok, pour moi, j'ai entendu un bruit comme si c'était un truc comme ça. Écoutez bien, c'était ça pour moi. Un truc comme ça. C'est très bizarre. C'est des très films d'horreur. Ok, on va se calmer. On est très bien dans notre grotte. On n'est pas fou. Il n'y a personne qui se cache derrière. Tout va bien. Tout va bien. On n'est pas cinglé. Elle est très fatiguée par contre. On va devoir dormir deux fois. On va faire une fois 10 heures et une deuxième fois genre 3 heures ou 4 heures. Faire encore un peu d'eau. On avait marqué quoi sur cette grotte? Matériaux. Là il y a du feu. Enfin il y a du charbon, etc. On a encore 4 steaks à faire. On va attendre que ça se finisse, là, les 35 minutes, puis après on fera... après on dormira une heure. Pour faire passer le temps et pour se reposer un peu, pour pas qu'on soit complètement exhausté. Non, ça veut rien dire. Épuisé. J'utilise le mot en anglais pour parler français. C'était mon erreur. On va prendre ça. My bad. My bad. Donc 5 kilos. Alors ce qu'on va faire, on va regarder un peu la carte pendant que ça cuit. Alors, on a une belle carte. Hein. Honnêtement, je suis content. Avec cette mise à jour, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, en intrus, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. Beaucoup, beaucoup, nettement plus simple et fun, en fait, de marquer les maps en intrus. Avec leur nouveau système, parce que sinon je l'aurais jamais fait, honnêtement. Donc c'est vrai que ça c'est beaucoup plus fun. Alors, on doit retourner ici, après ici, et après on se casse, et après là. Donc on est quand même super loin, hein. On doit faire tout ça en chemin. Donc c'est loin, c'est très loin même. Mais c'est pas extrêmement dur. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est prendre cette corde. Nous, on était arrêté là. Attends, ça c'est matériau. Ouais, non, ça c'est stockage. C'est celle-là qui est importante. On a pris cette échelle. C'est pas une échelle. Cette corde. Et on est monté. Et après, on a fait ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va voir si on peut pas directement descendre là. Ah mais j'ai peur qu'après on puisse pas revenir.
Alors, on fait complètement demi-tour. Genre, on reprend ce qu'on a pris, le chemin qu'on a pris. Ou alors, on essaye de tracer comme ça. Ce serait plus court, mais ça dépend du chemin. Ça dépend du chemin. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que là, j'ai un peu peur de ça, là. Je sais pas trop ce que c'est. Là aussi, donc je sais pas si on va pouvoir le faire. Après, il y a des boulots et tout ça à récupérer. Escalader cadavre. On n'est pas allé là. Hein? On n'est pas allé là. Je crois. Si? Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis plus trop sûr en fait de la carte. Je vais être honnête, je serais plus serein de faire juste demi-tour, genre sens inverse, que d'essayer de se balader. Mais ça dépend, ça dépendra du temps en fait, ça dépendra du temps. Si jamais on a un mauvais temps, si jamais on a un mauvais temps, on va pas sortir du tout en fait. Je sais pas. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Moi, je dirais oui à l'exploration. Mais... C'est qu'on va être chargé à chaque fois. J'espère que l'eau va pas s'évaporer. M'étonnerait quand même. Je pense qu'on peut dormir. On est bon. On va dormir le plus longtemps possible. Je sais pas s'il faut pas un peu plus de feu, non? Pour l'eau. Je crois qu'il faut plus de feu. Je crois qu'il faut plus de temps. Faudrait au moins 30 minutes de plus pour que ça boue. On va voir. On est en pleine forme. Eau non potable, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. On est prêt pour partir? On va regarder un peu le temps. On va voir si on peut pas jeter les objets. Alors, fais voir un peu. Alors, le bois, déjà, on peut le jeter. Là, ça, c'est fait. On a ce livre-là et ce livre-là. À la limite, on peut les jeter. Parce qu'on les a lus. Mais je voudrais quand même les récupérer et les ramener. Là on est bon, là la viande on n'en prendra pas beaucoup, de toute façon on la mangera petit à petit. Ici on a qu'à la casser, ça pèsera moins lourd. Après on peut pas trop balancer de choses en fait. Ok, on va être lourd pour partir. Mais ouais. Bon, après on peut toujours balancer des choses, hein.
Genre le faitout et tout ça, on en a à la maison et tout machin. Y a pas trop de problèmes. Moins 14. On n'a pas énormément de problèmes de ce côté-là. On va faire un feu pour réchauffer les thés là qui sont à côté de nous. Par contre, j'espère qu'il va pas avoir un mauvais temps après. Ce serait un peu embêtant. Oh, yeah. 25 minutes. On va faire une heure. Ok. On va faire ça aussi. Ça fera moins lourd. Ok. Un peu le temps. Moins 13, c'est pas mal, moins 13. On peut aussi utiliser une torche pour se réchauffer. C'est pas mal, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. On va jeter ça, on va en prendre une, deux. On est à 44 kilos. Oh la merde. Ça, on en a plus besoin aussi. Des charbons, on va le jeter. Ok, 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 ok. On a de l'eau. On va jeter l'eau au bout d'un moment, si jamais ça nous embête. C'est bon, on est parti. Pas de vent. On ressent un moins 10. Ça va. Alors comme j'ai dit, on va tester deux choses. On va voir en face là, si on peut pas directement descendre. Si jamais on peut pas, on va repartir là-bas et on va reprendre la corde. Quoique non, on peut pas reprendre la corde parce qu'on est à 44 kilos. Ouais, ça va poser problème. Est-ce qu'on avait vu des loups quand on est arrivé ici? Non, hein. Je crois pas. Je vérifiais si j'avais le cache-oreille. Genre là-bas. C'est la corde. On va voir si on peut pas faire ça. Genre vers un peu plus le centre de la zone en fait. Oh mon dieu, c'est ça, ces rochers en fait. C'est sur la carte, je crois que c'est ça. C'est la montagne.
Genre c'est ça. Ah oui, on avait vu des loups là. Oh la vache. J'ai quand même envie d'aller voir. Il m'a fait peur. Il va peut-être nous lâcher parce qu'il y a des lapins. Ok, d'accord. J'ai rien dit. J'ai quand même envie d'aller voir là. Ça me rassure pas des masses. Là, on a un bois là. On a une grotte. Une grotte de glace, ça, non? Ça, c'est une grotte de glace. Oh, attends, mais on a fait comme ça. Je crois qu'on est là. Boulot vert, c'est ce qu'on a récupéré, non? Boulot vert. C'est ce qu'on a récupéré, je crois. Boulot vert. Je pense qu'on est là. Non, là, là, là. Je pense qu'on est dans cette grotte-là. Il y a la rivière juste là. Donc nous, on n'est pas loin de chez nous, en fait. C'est pas loin d'où on veut aller. On va voir ça. Ou alors on est plus haut. Enfin, peut-être qu'on est plus haut. Genre. Non, mais là, il n'y a pas de grotte. À moins qu'elle soit pas sur la map. Oh, on va devoir la dessiner. Ah ouais, drôle. Ok, il y a une grotte là alors. Très bien. Donc il faut suivre le courant et descendre, ça marche. On va prendre ça. C'est bien hein, de pouvoir marquer comme ça. Donc on suit la rivière, on descend. Si on peut descendre sans corde, on est bon. Oh. Oh, à gauche, là-bas, où il y a des ronces. Là, peut-être. On va voir. Je me permets de me balader un peu parce qu'on peut se réchauffer dans la grotte, donc il n'y a pas de problème. Ouah, ça a l'air méga méga haut. Je sais pas si on va pouvoir descendre. La corde, elle devrait être de ce côté-là, en fait. Genre là-bas. Ça se tente. Ça se tente, ça se tente.
Alors bon, on a un côté à droite, là ça se tente. Ok, là c'est la rivière qui tombe. On va regarder s'il n'y a pas un chemin à gauche. Il y a un chemin. Ça m'a l'air ok. Ce chemin-là, ça m'a l'air ok. Bon, il y a juste ce loup-là qui rôde. Mais normalement, il nous a pas suivi, donc on est bon. On va se réchauffer. Alors, ce qu'on va faire, on va se réchauffer dans la grotte. On va aller couper les ronces après. Parce que, par contre, les ronces, ça va nous prendre genre une vingtaine de minutes. Donc, faut qu'on se réchauffe. Allez, prends. Okay. Et on va voir où ça nous mène. Si jamais ça nous mène dans un truc fermé, genre un endroit fermé, on va tenter à droite de tomber à droite. Mais honnêtement, je suis pas très très confiant non plus. On va voir. Alors d'abord, on se réchauffe. Très bien. Parce que là, il faut éviter les cordes, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il faut complètement éviter les cordes. Si on n'évite pas les cordes, on va avoir des problèmes avec le poids. Donc, on est obligé d'éviter les cordes. On a de la chance, c'est pas extrêmement froid non plus. Mais c'est la bonne rivière. Hein. Si on arrive à rester sur la rivière, on tombera sur notre grotte. Et on pourra partir. Faut vraiment qu'on parte de cette hauteur. C'est cette hauteur en fait qui nous pose un problème. Ouais, il faut qu'on soit en bas. Là, ça monte. C'est pas vraiment ce qu'on veut. À moins que ça redescende, mais... C'est pas vraiment ce qu'on veut. Je suis sûr qu'on peut voir notre grotte de là. C'est quoi cette zone? Y'a rien en fait. Genre on a coupé la broussaille et tout ça, pourquoi? Pour rien. Attends. Nous on était là, on doit être là. Il y a une grotte de glace là. Il y a une grotte de glace là. Oh, et si on prenait la grotte de glace? Et on essayait de se repérer. Et on essaye de sortir de la grotte. On passe par la grotte. Ah, ça serait peut-être plus safe ça. Moi je suis partant pour tester hein, de l'autre côté là, de côté droit là. Et
et de faire rocher sur rocher, mais... Ouais, après ça tombe, je crois. Après, je crois que ça tombe direct. Ouais, on va faire ça. On va rentrer dans la grotte. On va faire le tour de la grotte. J'espère. Il faudra trouver un... Je sais pas si elles sont bien réglées, les grottes. Genre, par exemple, si on va tout droit, est-ce que ça va tout droit? Si on tourne, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la map, en fait, entre les grottes et la map extérieure. Je sais pas si elles sont vraiment bien faites. J'imagine que oui, hein, normalement, en toute logique, j'imagine que oui. Donc, il faudrait que ça... Ou ça tourne droite-gauche, et après, il faudrait que ça descende, en fait. Mais je crois que c'est notre meilleure solution. Ah, et puis de toute façon après on a le sac de couchage et tout ça, on a de la nourriture, on risque rien, on peut rester à l'intérieur et dormir. Hein. Donc c'est pas, y a pas de problème pour l'instant, y a pas de danger. Voilà. Y a pas de danger, c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait zéro danger. À moins qu'on tombe nez à nez avec un loup et qu'il nous bouffe, c'est autre chose. Et en parlant de tomber nez à nez avec un loup et qu'il nous bouffe, on va faire ça. Alors pour l'instant, on voit bien, donc je vais pas mettre de lumière. C'est correct, on va dire, c'est correct. Ça tourne. Il faudrait que ça tourne en fait vers la gauche pour que ça reparte en fait. Parce que là j'ai l'impression que ça remonte. Ah. Ok, alors là... Oh, là ça descend. Là il y a une corne, non? Je vois pas de corne. Il y a une corne. Ok, est-ce qu'on a besoin de prendre la corde? Normalement non. Ok, ok, ok. Je crois que c'est là. Ok. Ok. Si on est bon... Genre point de vue grotte, map, map extérieure. Je... Oh, oh oui. C'est notre marquage aux flèches. Yes, yes, yes. C'est notre marquage aux flèches. Donc on la connaît, cette grotte. Par contre, je me rappelle plus où elle sort. Ah, oh, mais je crois qu'elle sort pas loin de d'où on est, d'où on doit aller. Ah, oh, yes. Ah, c'est quand même bien, cette mise à jour. Quand même bien. Là, j'avoue que là, ça sauve des vies. Et là, ça redescend. À droite, il y a un cadavre. Je me rappelle. À droite, il y a un cadavre. Yes. Et là, on entend l'eau. Ça, c'est notre flèche, donc on doit aller là. Parce que là-bas, c'est un cul-de-sac derrière. Yes. Oh mon dieu, c'est top. Et on va garder l'arc à la main quand même. Ok. Maintenant, il faut voir où on est tombé, pour être sûr. On a un feu là. Fait un peu froid, par contre. On va re-rentrer pour se réchauffer. On va manger, boire, si on a besoin. On a besoin ou pas? Non, pas vraiment besoin. Okay. Alors... Grotte de glace. Je crois que c'est celle-là. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est cette grotte de glace. Ok, on va faire un truc. On va prendre le charbon qui est sur le feu là devant nous. Et on va dessiner. Ou alors on marque... On va faire ça.
Yes, ok. On est sur la bonne grotte, c'est bien. On va utiliser la croix comme ça pour se marquer sur la map. Je sais pas si c'est triché ou censé utiliser le jeu, je sais pas honnêtement. J'ai l'impression des fois d'utiliser un peu le jeu en faisant ça, c'est pas grave. Donc, on est au stockage, très bien. Donc on a skip en fait pas mal de choses. Donc on était là, on a pris ce chemin là, on est tombé sur une grotte ici. On a un peu fouillé, on a récupéré du bois, on a pris la grotte de glace et on est retombé là. Donc maintenant on doit aller reprendre la corde. Ah, ça c'est embêtant ça par contre. Il faudrait reprendre la corde. Non, je suis sûr qu'on peut prendre la corde sans poser d'objet. On va poser l'eau et tout ça, on va se débrouiller. Je suis sûr qu'on peut. Parce que les zones... Je vais être honnête, les zones ici, elles sont un peu... contre mon système de... de descendre les montagnes et tout ça. Parce que les montagnes, elles sont super raides ici. C'est vraiment la zone où on peut pas vraiment faire ça. Qu'est-ce qu'on fait par... Il fait quoi? Il fait jour encore. Il fait encore jour. Est-ce qu'on dort? On va dormir 2 heures. Vous savez quoi? On va dormir encore 1 heure. Et ce sera la fin de l'épisode, parce que ça va faire très long sinon, parce que là on n'a pas trop fini encore. Donc... Ah, merde. On a un temps de merde je crois. On va regarder pour baisser un peu notre poids. On va dormir, ce sera la fin de l'épisode, parce que ça va faire déjà 1 heure. Et la prochaine fois on partira donc ici au stockage, on voit ce qu'on récupère. Et après il y a aussi là, ici, et après on part, et après on s'en va, après on rentre. Il faudrait être en dessous des 40 kg, on a le matelas qui pèse 3. On a l'eau, on a de l'eau et de la nourriture dans la grotte, donc à la limite on pourra enlever tout ça. C'est pas vraiment grave. Les bois, je voudrais les garder. Les pansements, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin. On peut en balancer 2 là. Ça, on garde, ça, on garde. La torche, on peut la jeter aussi. Ça, on va l'enlever, ça, on va l'enlever. Ouais, on devrait être bon, honnêtement. Après, on enlèvera des petites choses. Ah, il y a les livres. Il y a les livres aussi qu'on pourrait virer. Au pire, on virera les livres si vraiment, vraiment, on est de limite. Mais on devrait bien... Non, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Donc, on va dormir. Voilà, c'était notre épisode. Bah, ça s'est bien passé, on a trouvé, le point pour faire la surveillance, là, sur la carte. On a trouvé le chemin du retour. Ouais, non, ça s'est très très bien passé. On a récupéré, on a notre, donc, nos sacs de couchage, oui, évidemment. On a notre pot d'élan, on a des bois, et après, il y a encore plein de trucs à récupérer dans la grotte. On va être à 45 kg, peut-être 50. Et on va avancer, on va peut-être faire un tri sur ce qu'on prend et ce qu'on prend pas quand même. Et on rentre et puis voilà, et on est bon. Donc ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe cool, ça va. J'ai eu un peu peur avec le loup, mais ça s'est bien passé au final. Voilà, voilà. À la prochaine, ciao ciao.